Good morning, Alayden. Les tuteurs aujourd'hui, les Lunishmat, Rivka, Batsara, Rachel, Rachel, Batsara, Arabi Sofay, Ben Masimcha, Moshe, Ben Sultana, Moshe, Michel, Ben Machlouf, Zohara, Rosette, Ben Sultana, Zahara, Bad Mazaltov, Shish, Portish. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions, Babat, Raperikul, Mishnah, Bet. Get Pashut, Edav, Bishnaim, Umekushar, Bishlosha. Pashut, Shekatouf, Bo, Edechad. ומקושר שכתוב בו שני עדים, שניהם פסולין. כתב בו זוזין מאה דאינון סילעין עשרין. אין לו אלא עשרין. זוזין מאה דאינון תלתין סילעין. אין לו אלא מנה. כסף זוזין דאינון ונמחק. אין פחות משתיים. כסף סילעין דאינון ונמחק. אין פחות משתיים. דרכונות דאינון ונמחק, אין פחות משתיים. כתוב בו מלמעלה מנה ומלמטה מטעים. מלמעלה מטעים ומלמטה מנה. הכל הולך אחר התחתון. אם כן, למה כותבים את העליון? שאם תמחק אותה אחת מן התחתון, ילמד מן העליון. נות משנה תחת דנובו, קוטינות דברי דלה רדקסיון, דקונטרה. Des différents get. On va continuer à parler dans le début de la Mishnah du fameux get mekushar et get pashut. Pour rappel, le get mekushar, c'est le contrat que l'on écrit en. On écrit, on plie, on coud, on écrit, on plie, on coud, on fait signer des témoins à chaque fois sur le dos. Et le get pashut, c'est celui, le contrat classique, simple, où on écrit tout le texte et on signe en bas. Première partie de la Mishnah nous enseigne Get Pashut Edav Bishnaim ou Mekushar Bishlosha. Le contrat simple, rédigé avec le formulaire simple. Alors il faut faire signer au fond, à la fin, deux témoins. Tandis que le Get Mekushar, le contrat cousu, attaché, il faut faire signer au moins trois témoins. Pas à chaque pli. À chaque pli, on fait signer un témoin. Et ensuite, une fois qu'on a écrit la suite. On écrit ici, comme on apprenait hier, ça va sortir que c'est au verso. On a une deuxième signature, et puis là, le troisième témoin. Ensuite, on continue à chaque pli à refaire signer les mêmes témoins. Et donc ça, c'est le get mekushar. Donc, Chachamim ont instauré trois témoins. Pourquoi trois témoins? On aurait pu se contenter de deux témoins. La raison, elle est qu'on a voulu faire danser, faire traîner un petit peu plus le Kohen. Ouais, tout le get mekushar débute à cause du problème du Kohen qui peut se fâcher avec sa femme. De ce fait, on l'a dit, tu sais quoi, va chercher trois témoins pour tourner la situation un petit peu, la rédaction un petit peu plus compliquée, de manière à ce que tu vas peut-être te calmer et ne pas divorcer ta femme. Oui, parce que Cohen ne peut pas se promener avec sa femme, comme on apprenait dans la Mishnah précédente. On continue. Pashut shekatuv bo edechad. Dans un contrat classique que l'on a fait signer avec un seul témoin, ou mekushar shekatuv bo shnei edim, ou encore un get mekushar, un contrat. Donc, cousu, sur lequel on a fait signer deux témoins et pas trois. Shneim psolim. Les deux contrats sont psolim. Ils sont invalidés. Ils ne servent à rien. Ils représentent plus rien. On ne peut pas divorcer avec un contrat pareil. On ne peut pas acheter une maison. Il n'y a aucune reconnaissance de dette. Il n'a pas été écrit comme ce qu'on lui a demandé. Il ne prouve plus rien. Il n'a plus aucune valeur. Ça ressort du Bartenora que le psoul, il est même midoraita par la Torah. Il n'a aucune valeur mina Torah. Ça demande d'approfondir, parce que vous allez me dire, s'il y a deux témoins, et selon la Torah, ça suffit de témoins, pourquoi, comment pourrait-il y avoir un psoul de la Torah dans un cas pareil? J'ai l'impression que c'est peut-être la question du Tosfot Yom Tov qui ramène un Rashbam. Bon, il y a de quoi rallonger sur le sujet. On a ouvert le débat. D'accord, le sujet, si ça vous intéresse, d'approfondir. En tout cas, on continue maintenant. On passe à un autre sujet maintenant. On va en parler maintenant d'un contrat classique. Il faut savoir, je ne sais pas si vous avez déjà prêté l'oreille un petit peu dans une roupa lorsqu'on lit la Ktouba. Il y a beaucoup de langage un petit peu, des fois poétique, des fois qui insiste. Tout c'est. Et parfois on a l'impression que ça se répète. Et effectivement, ça se répète. Il y a des choses, il y a plusieurs éléments qui composent un contrat. Mais de manière générale, c'est le sujet qui nous intéresse. Étant donné qu'on va se répéter de deux manières, alors on va s'intéresser dans notre Mishnah à. Dans la deuxième partie maintenant, qu'on va voir les quelques prochaines lignes, à savoir s'il y a une contradiction, au début, même à la fin de la Mishnah, on va revenir dessus, lorsqu'il y a une contradiction entre deux choses. Au début, tu affirmes que tu as emprunté 100 zouz.
Et après, tu vas dire, plus tard dans le contrat, par exemple, tu vas nous dire qu'en fait, et sur le prêt des 212, nous sommes Banu al Khatoum, nous avons signé sur. Les deux, et le détenu avons signé en disant que là-bas, il y avait 212. En haut, tu m'as dit 100, en bas, tu m'as dit 200. Ça va être la dernière partie de la Mishnah. Pour le moment, on ne va pas parler d'un cas où il y a une contradiction du haut en bas, à savoir à qui donner raison, mais plutôt dans une même phrase. Je te prêtais 100 zouz qui font 20 slaïm. Or, si on se rappelle bien du Saddam Podobev, le moyen mnémotechnique, c'est la dinar, ma'a, pundion, issar, avec les coefficients entre do, vev, dalet, vav, vet, vet. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est les deux premiers. C'est la dinar, un c'est la fait 4 dinars. 100 dinars font 25 c'est la. D'accord, retenez juste ça. 100 dinars, ça fait 25 c'est là, c'est ce qui nous intéresse pour notre Mishnah. Entre parenthèses aussi, c'est un peu compliqué, désolé, la Mishnah utilise tous ces mots, alors je les introduis. 100 dinars, ça s'appelle aussi un mané. Un mané, ça fait 100 zouz, d'accord ? 100 zouz, dinars, zouz, dinars, ça c'est la même chose. En tout cas, ce qui m'intéresse maintenant, c'est qu'on va avoir une contradiction entre 100 zouz, qui font normalement 25, et l'ami, il nous a écrit, et je t'ai prêté 100 zouz qui font 20, c'est là. Ou je t'ai prêté 100 zouz qui font 30, c'est là. On a un problème, tu te contredis. 100 zouz, ça fait 25. Alors quoi? Quel est l'essentiel? Alors là, on a un problème. Avant de lire la Mishnah tout de suite... Non, on peut lire la Mishnah, et je vais vous expliquer la Mishnah de manière pas complète. Ça va être déjà vrai pour ici. Mais après, on va élargir un petit peu plus en ajoutant un détail important. La Mishnah nous dit comme ça. Katav bo zuzin mea de inun sil ein esrin. Il a écrit dans le contrat, zuzin mea, je t'ai prêté 100 zouz, mea c'est 100, et zuzin c'est des zouz, de inun sil ein esrin, qui représente 20 sela. La Mishnah nous enseigne, en lo ela esrin. Dans ce cas-là, on lui donne le minimum des deux, et il n'aura que 20 sela. Donc, 80 zouz en fait. Zuzin mea de inun tlatin sil ein, il a fait le contraire. En ajoutant le qui représente, il a dit qu'il a gonflé plus la dette. Je te prêtais 100 zouz qui représente 30 sela. 30 sela. Donc ça fait l'équivalent de 120 zouz. Alors, en lo ela mané, il n'aura qu'un seul mané, soit 100 zouz uniquement, il n'aura pas les 120. Pour quelle raison? On peut l'expliquer de manière simple, pour le moment, mais pas exacte. Mais l'expliquer pour le moment, toujours, en cas de doute, on prend le minimum. Mais en réalité, on va déduire de la fin de la Mishnah que ce n'est pas la raison. Il y a une raison plus simple. C'est compliqué, je ne sais pas pourquoi la Mishnah l'a présenté de cette manière. Je vous dis tout de suite ce qu'il va y avoir dans la suite de la Mishnah. On prépare le terrain tout de suite. Dans la suite de la Mishnah, on va parler tout à la fin de la Mishnah, pas tout de suite. Là, on va rentrer dans un autre problème. Et après, on va reparler d'un autre cas où il y a une contradiction entre le haut et le bas. Comme je vous ai dit, il y a tout le long contrat qui est rédigé avec plusieurs expressions qui ont l'air de rallonger, de se répéter, tout ça. Et à la fin, avant de fermer le contrat, ce qui nous intéresse dans le contrat, c'est ce qu'on va apprendre, c'est les dernières lignes. Pas la toute dernière, mais les deux dernières lignes du bas, où avant de signer, on dit toujours « Ubanu el Khatoum ». Je viens et nous sommes venus assez certifier le fait que Réhouven a demandé à Shimon de lui emprunter, et là-bas, juste après, les témoins signent. Et c'est cette phrase la plus importante. Quand il y a une contradiction, on va apprendre dans la Mishnah qu'on va selon la dernière phrase. D'accord? C'est la plus importante. C'est tout simplement parce qu'on va se dire que peut-être qu'au début, il voulait lui prêter 200, et puis après, quand on rédige le contrat, on ne fait pas ça en deux minutes, ça prend du temps. Peut-être qu'on a commencé à écrire, puis après on a commencé à rediscuter. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette situation et avec cette condition? Et puis après on a rajouté des mots. Et finalement, à la fin, tu me dis autre chose. Eh bien, je vais conclure qu'en réalité, l'essentiel, c'est la fin. Parce que là, c'est sûr que finalement, tu as regretté, tu es revenu sur tes propos. Finalement, tu t'es engagé moins, ou tu as décidé de t'engager plus, et tu as réussi à t'imposer plus. Et t'as pas fait attention qu'il fallait corriger en haut, tu as pas barré, t'as pas voulu barrer le contrat. Et donc, l'essentiel c'est le bas, on va aller selon la dernière phrase. Ça c'est ce qu'on apprendra tout à la fin de la Mishnah. Maintenant, en l'occurrence, lorsqu'on revient maintenant sur notre sujet, avec les 100 zouz qui font 20 sela ou qui font 30 sela et qu'est-ce qu'on te dit au lieu de dire 25, alors là, on constate qu'on n'ira pas selon la dernière proposition, mais on prendra la plus petite des deux. Pour quelle raison? C'est très simple, c'est que là, il n'y a pas en réalité une contradiction frontale. Il est possible d'interpréter que les 112 représentent soit 20 ou soit 30, c'est là.
De comment c'est possible une histoire pareille? C'est très simple, c'était très fréquent à l'époque. De nos jours, c'est plus tellement fréquent parce qu'un billet, il a une valeur, la banque, elle est obligée de le recevoir. Un billet de 100 shekels ou 100 euros qui est un petit peu usé, soit on peut l'utiliser, soit au pire, on le ramène à la banque et on se le fait rembourser. À l'époque, les pièces perdaient de... Elles s'effritaient, elles perdaient un petit bout, elles recevaient des coups, il y avait un petit peu d'argent qui tombait, c'était le... il y avait le pesant d'or, le pesant d'argent, et ça fait que les pièces perdaient de leur valeur en elles-mêmes. Et il y avait des pièces de bonne qualité, des pièces de mauvaise qualité. Comme on apprenait dans la paracha de Chaye Sara, où là-bas, Abraham, il a donné Kesef over la socher, de la bonne monnaie, des bonnes pièces, bien formées, qui passent de partout, qui sont bien reconnues de partout. Il y avait comme ça plusieurs qualités de pièces. Et en réalité, là ici, lorsqu'ils se contredisent en disant 100 zouz qui représente 20, c'est là, ou 100 zouz qui représente 30, c'est là, il n'y a peut-être pas de contradiction entre ces mots. Il est possible que son intention était de dire 100 zouz qui représente 20, c'est là, parce que c'était des zouzim, des zouz de mauvaise qualité. C'est pour ça que je t'ai dit que je t'ai précisé justement qu'il valait 20. Et inversement, 100 zouz qui valait 30, parce que c'était les meilleurs zouz que tout le monde veut, ou bien même, je sais pas, j'ai pas vu que c'était écrit, mais sûrement ça peut aussi être dit, de mettre la faute sur le Sela. 100 zouz qui représente 30, c'est là, parce qu'on parle de Sela qui était de mauvaise qualité. Peu importe, je pense que ça peut se faire, en tout cas le principe il est là. D'accord? On a fini la deuxième partie de la Mishnah. Troisième partie de la Mishnah. On va voir maintenant un contrat qui est partiellement effacé. Je t'ai emprunté, il a dit comme ça, Kesef Zouzin de Inun, je t'ai emprunté des Zouz de Kesef qui, en quantité, Venimchak, ça a été effacé. On a un problème, on ne sait pas combien de Zouz. Ouais, il a retourné la phrase. Au lieu de lui dire je t'ai emprunté 100 Zouz, il a dit je t'emprunte des Zouz au montant final de un blanc, ça a été effacé, l'écriture elle a été effritée. Qu'est-ce qu'on fait? Venimchak, ça a été effacé. Une chose de sûre, c'est que tu as dit Zouzim, c'est le du pluriel. Le minimum du pluriel, c'est 2. Jusqu'à preuve du contraire, tu lui dois 2. Mais pas plus. Peut-être qu'il avait écrit 100, peut-être qu'il avait écrit 1000, 1 million. Qu'est-ce qu'on peut faire, mon ami? Désolé. Ouais, c'était ce qu'il avait écrit. Ensuite, Kesef Sil'in Deinoun, idem, la Mishnah se répète lourdement en prenant 3 cas de figure où c'est exactement la même situation. On va juste parler de monnaies différentes. Le Tosot Yom Tov pose la question, pourquoi avoir répété 3 fois la même chose? Il y a plusieurs réponses, on ne va pas allonger dessus. Regardez dans le Tiferet Israël, ça vous intéresse. Aussi, moi j'ai le Agat, Chilushema, Riaf qui propose aussi des réponses. En tout cas, 3 situations qui sont plus ou moins la même. Au début, on a parlé de Kesef Zouzin, donc de Zouz. Après, il a dit Kesef Sil'in Deinun Venimchak. Il a dit je te donne des Sela qui sont au nombre de Venimchak et ça a été effacé. En parchut mishnayim, on dira de nouveau, ah, t'as dit le mot cela, mais on ne sait pas combien, t'as utilisé le pluriel, ça fait au moins 2 cela. Darkonot de inun, alors les darkonot, c'est rapporté dans la Sechet Shkalim cette fois-ci, et ici dans le Tiferet Israël, on parle de matbea shel zahav, des pièces en or. Au nombre de, effacé, venim chak, ça s'est effacé, qu'est-ce qu'on fait? En parchut mishnayim, jusqu'à preuve du contraire, tu dois 2, mais pas plus. Le contrat ne peut pas prouver plus. Et maintenant, on passe à la quatrième partie de la Mishnah avec ce qu'on a déjà tout expliqué à l'oral. Katuv bo milemal amane ou milmata mataim. Il avait écrit en haut un mané et en bas 200. Milmal amataim ou milmata mané. Il avait écrit en haut 212 et en bas dans les dernières lignes 100. Je dis les dernières lignes, pas la dernière ligne. On va expliquer pourquoi, parce que la dernière ligne, elle est problématique. Donc milmal, donc il y a une contradiction entre ce qu'il a écrit en haut du Jtar, lorsqu'il nous raconte tous les engagements, les situations, quand il l'a rencontré, qu'il a vu la maison dans la parcelle exacte et qu'il a décidé de l'acheter à un montant total qui lui étalera selon les temps de paiement à telle date et à telle date et à telle date. Et puis à la fin, et nous sommes venus, nous les témoins, assertons par cela de la vente de Réhouven qui a vendu, certifions par cela, de la vente qu'il a vendue. Au début, il avait écrit que c'était 2 millions, et après, il a écrit 1 800 000 qui lui vend la maison. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est le bas qui est l'essentiel, c'est ce que la Mishnah nous enseigne. Tout va selon la dernière formule, c'est la plus importante, comme ce qu'on a expliqué. Peut-être que depuis, ils ont changé les conditions, ils ont oublié de rectifier en haut, donc c'est là l'essentiel. Imken! La Makot Vimatalion, vous allez me dire, alors à quoi ça sert d'avoir écrit tout ça, d'avoir allongé tellement? Finalement, tu me fais une contradiction, tu te moques
Ça a plus d'importance que tu as écrit en haut. Quel est l'intérêt? Lama kotvin et ha'elyon. Pourquoi on écrit toute la partie du haut? Shim timachek otachat min atachton ilmad min ha'elyon. Pour le cas où on aura une lettre qui sera effacée en bas, alors on pourra le déduire de ce qu'il y a écrit en haut. Deux lettres, non, mais deux lettres, oui. Soit, la Gemara prend le cas d'un cas d'une personne qui s'appelait Hanani, et on lui a écrit en bas Hanan, et l'autre lui dit, ah, Hanan, regarde, c'est pas moi, moi je me suis pas engagé, je t'ai jamais vendu une maison. Hanan, c'est le voisin, moi je suis Hanani. Alors on va lui dire, non, si en haut tu écris Hanani, et en bas tu écris Hanan, alors on déduit qu'en réalité, non, c'était une omission, c'était une erreur d'étourderie, ça existe. Pour une lettre, on a le droit d'écrire en haut, c'est ça l'intérêt d'écrire deux fois. Mais d'écrire, donc, de rallonger tellement. Mais si il faut apprendre deux choses, alors on donnera plus de... Ouais, il avait écrit Daniel, après à la fin il a écrit Dan, il manque trois lettres, on n'apprendra plus le Tarton Minaelion. On n'apprendra plus l'un de l'autre, on dira, écoute, le contrat, avec ce contrat, tu ne peux pas faire sortir de l'ami Daniel. D'accord? Et, donc c'est ce que la Mishnah nous dit, Imken Lama Kotvin Atahelion, pourquoi est-ce qu'on écrit le O, la partie supérieure, chez Imtimachek Otachat Minatarton, afin que si une lettre, Otachat, une seule lettre, Timachek, elle se fera effacer, Minatarton de la partie inférieure, Ilman Minaelion, il pourra le déduire de ce qui est écrit en haut du contrat. Précision importante, j'ai insisté que l'on ne parle pas de la dernière ligne. Ça, il faut le savoir dans les contrats. Je ne sais pas à la halema assez comment ça se passe, mais j'ai déjà fait attention que certains dayanim, lorsqu'ils signent, ils font très attention à ça. Et c'est une grande chokhma. Regardez, le fameux, je ne sais pas mon stylo ici, c'est pas grave, je vous ferai une démonstration à l'oral. Ça, c'est le contrat que j'ai pseudo-rédigé hier, pour vous expliquer l'histoire du Get Pashut, Get Mekushar. Maintenant, regardez, j'ai laissé des espaces entre les lignes, d'accord? Donc j'ai écrit une ligne, deux lignes, trois lignes. Supposons qu'il n'y a pas de quoi rentrer une ligne supplémentaire entre eux, il n'y a aucun problème. Mais on a une halakha. De la dernière ligne du contrat, on ne déduit aucune halakha. La dernière ligne qui est... La dernière ligne qui est à proximité de l'écriture, on ne déduit rien. D'abord, il y a une halakha. Lorsque l'on finit d'écrire... Il faut signer à proximité de la dernière ligne, ne pas laisser une grande place. Si on vous amène un contrat où il y a des signatures tout en bas, vous lui dites, reprends ton papier, il n'a pas de valeur, je crois. Mais pour quelle raison? C'est simple, c'est quoi cette histoire? On a dit un contrat, quand j'apporte un contrat avec une signature de deux témoins, c'est une valeur de témoignage. De témoignage, ça signifie que c'est certain ce qu'il y a écrit. Si tu as une feuille où il y a un espace tellement grand entre les signatures, tu peux écrire tout ce que tu veux, tu peux écrire que Reuven t'a légué tous les biens, et tu peux raconter toutes les histoires que tu veux, ça n'a plus aucune preuve. Peut-être même que tout le contrat, il est en fait vide et c'est toi qui l'as rempli. On n'a jamais une signature, vous savez ça, on n'a jamais une signature sur une feuille blanche. C'est une catastrophe. Avec une signature sur une feuille blanche, on peut en faire ce qu'on veut. Alors qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on a fini d'écrire un contrat, on signe à proximité de l'écriture. Maintenant, il y a une halakha. On ne peut pas venir signer et coller la signature à la dernière ligne, c'est pas humain. Alors, on laisse une place jusqu'à une ligne et on signe. Pas deux lignes, une seule ligne. Et de ce fait, c'est une convention qui a été adoptée en fait. Il fallait créer un ordre de la circulation, donc c'est ce qu'on a fait. On a adopté la convention, tu laisses maximum une ligne. Et de ce fait, on dit, maintenant, des fois, certains témoins réussissent à venir signer et à coller leur signature. D'autres témoins qui ont une signature un peu plus nerveuse. Alors, ils vont prendre plus de place et finalement, ils vont laisser, mais en tout cas, pas plus qu'une ligne. Tu ne mets pas à signer ici, mais tu ne signes pas non plus, tu n'es pas obligé de signer en collant complètement là-dedans. De ce fait, cette convention implique aussi que réciproquement, on n'apprendra jamais de halakha de la dernière ligne. Pour quelle raison? Parce qu'en réalité, peut-être que la dernière ligne n'avait rien écrit, et que comme on vous a laissé un crédit de une ligne, peut-être que finalement, celui qui a reçu le contrat s'est dit « Allez, je vais rajouter une petite clause là-bas qui m'intéresse. » Il a ajouté, donc sur la ligne restante, regardez, alors, si je vous rapporte la caméra, là où j'ai mis la signature avec la ligne, il y a de quoi essayer de rajouter quelque chose, ouais, et qu'il me donnera en plus 500 000 shekels étalés sur 20 ans. Ouais, quelque chose de petit, de discret. Donc, puisqu'on peut ajouter maintenant cette phrase ici, alors de ce fait, Rabbi, dans une telle convention, on a dit, écoute, les témoins, ils signent à proximité de la dernière ligne, ils éloignent pas plus qu'une ligne, et ça va impliquer que la dernière ligne, elle a plus de valeur. D'accord? Et on a fini la Mishnah, et on fait à présent le Bar Tanoura. Get Pashut, voilà, Pashut Shekatuv Bo Edechal. Un contrat simple, donc rédigé de manière simple, pas plié et cousu,
où il est, qui a été signé avec un seul témoin. Achikam. Comme ça, il faut lire cette phrase. Keshem shepashut shekatuv bo ed echad pasul midoraita. Autant que un shtar pashut simple, s'il n'y a qu'un seul témoin, il est pasul midoraita. Il est invalide. Du point de vue de la Torah, il n'a aucune valeur parce qu'il faut deux témoins selon la Torah. Kach mekushar shekatuv bo shnei pasul midoraita. Idem pour le contrat cousu. S'il n'y a que deux témoins, ça ne suffira pas. Il sera pasul midoraita. Il n'a plus aucune valeur. En lo ela esrim. Alors maintenant on passe au deuxième cas de la Mishnah où il avait écrit 100 zouz qui ont une valeur de 20 sela. Tu te contredis, on a dit 25. Avalgav des zouzim mea chamisha ve esrim silim em. Bien que 100 zouz font normalement 25 sela. Yad ba la shtar tartona. La main du shtar, de celui qui détient, qui possède le contrat, sera au désavantage. Pourquoi ? Vachim et Farchin, car on interprétera de cette manière cette phrase en disant Vachim et Farchin et Shtara, comme ça on interprétera le contrat en disant Meazouzim groim, shenam shavim ala chavslaim. Quand je t'ai dit 100 zouz qui valent 20, c'est là parce que je te parlais de 100 zouz qui sont groim, de mauvaise qualité, écorchés. Et donc ceux-là, effectivement, leur valeur est de 20, c'est là. Enlo et la mané. On se rapporte sur la partie de la Mishnah qui disait Zuzin mea denun tlatin selin. Lorsqu'on c'était le contraire, elle avait dit 100 zouz qui font 30 sela. 30 sela, ça fait 120 zouz, alors quoi? Chaf es laim. Et donc il n'aura que 101 mané qui est l'équivalent de 25 sela et pas de 30. D'achim et varchinon et shtaraka, ainsi on interprète le contrat. Mea zuzin, les 100 zouz, de inun tlatin selim kalin vegruin. Ah voilà, elle explique comme ça. Qui représente en fait 30 sela de mauvaise qualité. Shem Chafhe Minatovim, qui sont 25 de bonne qualité. Donc là, puisqu'on réussit à interpréter et dire qu'il n'y a pas de contradiction, alors on interprète toujours de manière défavorable. À la différence où il y a une contradiction qui ne peut pas être interprétée, alors on ira selon la dernière proposition, toujours, parce que peut-être qu'il est revenu sur ses paroles, comme on a expliqué pour la fin de la Mishnah. Venimchat, maintenant on passe dans la troisième partie de la Mishnah, où le montant a été effacé. Shenimchak Minyan Shenichtav Achavav. Il a été effacé la quantité, le montant qui était écrit juste après. Alors, la Mishnah enseignait de dire tu vas selon le minimum du pluriel, soit 2. Contradiction entre le haut et le bas, la dernière partie de la Mishnah, la quatrième partie, où Mil Mata Mataim, il y avait en bas 200, chez Kofel et Dvarav Mishtar, car dans un contrat, on a l'usage de répéter à la fin, avant la signature, de répéter une deuxième fois, la dernière, de répéter encore une fois succinctement tout ce qui a été conclu, les grands traits du contrat. Alors, tout ira selon la dernière phrase. Tout ce qui est écrit en bas. Pourquoi ? Attention, à condition que ce ne soit pas écrit dans la dernière ligne. Parce que la dernière ligne, alors, c'est un ktav sheyachol leizdayef. Une écriture qui peut être falsifiée. On peut rajouter ce qu'on veut, puisque les témoins ne peuvent pas coller leur signature. Donc inversement, on n'apprendra jamais de la dernière ligne, parce qu'en réalité, peut-être que cette ligne n'était pas écrite, et qu'ils avaient laissé l'espace d'une ligne entre les deux. Lama Kodvin et Elion, la Mishnah avait posé la question, alors pourquoi tu écris la partie supérieure du contrat, puisque tout va selon la dernière partie, Oilubesof Ashtar Rosar et Kofel, puisque de toute façon tu répètes tout à la fin du contrat, Vachaut Mamanze, Kar Vekar Kibalti Alai. Le partenariat nous rapporte la phrase qu'on écrit à la fin du contrat. L'engagement de cette somme, de ce montant, ainsi et ainsi je me suis engagé. Ve alken banu alachatou, mais c'est pour ça qu'on a témoigné. On vient sur ça à témoigner, nous, Reuven ben Shimon, Lévi ben Yehuda, et on signe tous les deux de notre côté. Alors pourquoi je répète, la Mishnah nous enseignait, au cas où il y a une petite omission de une lettre uniquement, mais pas de lettres. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov Seva.